Le 28 décembre 1838, Chopin écrit à son ami Fontana. Peux-tu m'imaginer ainsi ? Entre la mer et les montagnes, dans une grande chartreuse abandonnée, en une cellule dont les portes sont plus grandes que les portes cochères de Paris. Tu me vois sans gants blancs, cheveux sans frisure, pâle, comme d'habitude. Ma cellule a la forme d'un cercueil. Les voûtes sont couvertes de poussière, la fenêtre donne sur des orangers, des palmiers, des cyprès. En face de ma fenêtre, sous une rosace découpée dans le style mauresque, se trouve mon lit. Les œuvres de Bach, mes manuscrits, mes notes et quelques autres paperasses, voilà tout ce que je possède. Un calme absolu. On peut crier bien fort sans que personne n'entende. Bref, je t'écris d'un lieu étrange. Un soir, de retour de Palma, écrit George Sand, je fus surprise par un violent orage. Ayant dû abandonner la carriole, je fis le chemin à pied jusqu'à la chartreuse en pleine nuit. Je me hâtais en vue de l'inquiétude de Chopin. Elle avait été vive. Et il jouait son admirable prélude en pleurant. En nous voyant entrer, il se leva en jetant un grand cri. Puis il nous dit d'un air égaré et d'un ton étrange. Ah, je le savais bien que vous étiez tous morts. Sa composition de cette nuit-là était bien pleine des gouttes de pluie qui résonnaient sur les tuiles sonores de la chartreuse. Il obtenait un effet prodigieux par la seule répétition obstinée d'une note, comme des larmes tombant du ciel sur son cœur.